Salut tout le monde les gens, ici Babouliné pour ce nouveau live quotidien. Et comme vous le voyez quelque part par là, sera dédié à Super Mario Bros 3 Mix. Un hack de Mario Bros 3 sur DS, vous allez voir, il est plutôt sympa. Mais avant de commencer, on va bien sûr saluer les gens qui sont venus sur Twitch aujourd'hui. Nous avons Wiz Robert, Darkitou, Brian Boucher, EW8, qui d'autre remonte un petit peu, Drifty Gaming, Rockstox in Twitch et Calamitics. C'est à peu près tout pour l'instant, bien sûr. On salue d'avance les gens qui viendront en cours de live. Vous allez voir, on en a pour quelques heures. Alors, présentation vite fait. Déjà, première chose, est-ce que vous pouvez me dire si on est bon au niveau du son? Est-ce qu'il faut monter, baisser, ne pas toucher, histoire d'être sûr? On va le temps que je fasse ça. Je vous dis quand même 2-3 mots vite fait par rapport au hack. Donc, vous voyez que c'est créé par un certain Southbird. Ça a été créé en 2014. Et le concept de ce hack Mario, c'est qu'en gros, c'est un espèce de remix de Mario Bros 3 avec plein d'hommages à la licence Mario. Il peut y avoir des hommages à Mario Bros 1, Mario Bros 2, Mario Land, Mario 64, Sunshine, New Super Mario Bros, Galaxy, etc., etc., etc. De toute façon, vous reconnaîtrez très probablement beaucoup de ces jeux Mario auxquels il va y avoir un hommage pendant ce stream. Et yo Flozarco! Et d'ailleurs, si jamais vous voulez un peu plus d'infos sur ce jeu, ou si vous voulez même télécharger une ROM patchée du jeu, vous pouvez taper la commande point d'exclamation MIX, M-I-X, dans le chat. Vous aurez des infos, plus un lien direct pour télécharger la ROM. Sinon, si tout a l'air bon, on va pouvoir s'y mettre. Allez, c'est parti. Donc, allez, première question du jour. Qui allons-nous prendre, Mario, Luigi ou Toad, en sachant qu'il n'y a pas vraiment de différence entre les trois, d'après les gens qui s'y connaissent? Allez, dites-moi qui on prend, Mario, Luigi ou Toad. Bon, allez, je vous laisse encore quelques secondes, et s'il y a toujours égalité, je trancherai dans l'art. Enfin, dans l'art, façon de parler. Essayez de faire la musique en changeant de personnage. Bon, allez, on va prendre Toad. Allez, j'ai vendu. On va prendre Toad. Donc, je vais quand même préciser un truc par rapport à ce jeu, c'est que, comme dans... voilà, et bon rappel pour les commandes. Comme dans les New Super Mario Bros, il y a 3 pièces étoiles par niveau. Alors, on va essayer de les trouver, et puis on y arrive, si on les a pas toutes, tant pis. Le but, par contre, c'est d'arriver à terminer tous les niveaux de chaque monde. Allez. Direction le premier niveau, vous devriez le reconnaître celui-là. Hop, on voit ça. Hop. Ici, il y a l'hommage au 1-1. Normalement, on peut descendre ici. Ah bah tiens, là, la première pièce étoile. Attends, donne les pièces, prends les pièces. Ok, n'importe quel émulateur de NES, je te recommande Nestopia, il est très bien. Bon, perso, j'ai le corps Nestopia de chargé sur RetroArch, ça passe très bien. Nescafé! Ah, ça me rappelle une YouTube poupe, ça. Une YouTube poupe de Tintin. Nestor! Nescafé! Ah oui, puis les champignons là, c'est des checkpoints. Et yo, champire! Vous les prenez, vous mourrez, vous revenez ici. Quand j'avais fait le test, j'avais fait le niveau là, j'avais vu une pièce étoile ici. Hop. Flozarco, deux choses. 1, Pokémon est hors sujet. 2, est-ce que tu peux arrêter, s'il te plaît, de mettre @babouliTwitch dans tous tes messages? Je commence à trouver ça un petit peu lourd, perso. Moi, ça part. Non, évidemment, tout ils sont pas assez haut. Hey yo Ziggers, bah ça se passe et toi? Oh, doucement. Voilà. D'ailleurs, je suis en train de me dire, je peux rentrer dans les tuyaux là. Ah bah tiens, bah, la dernière pièce étoile. Pour l'instant ça va, le rythme je le tiens bien, ouais. Le plus difficile c'était... Ah oui, puis en plus je suis en train de me dire, c'est une référence à la Warp Zone ça. J'allais dire. Mais oui, pour l'instant, le rythme, il tient bien, t'inquiète. Hein. C'est le plus difficile, ça a été après le live de mardi, parce que bah, 8 heures de live, forcément, j'étais un petit peu claqué.
Mais franchement, ça va. Sans le, j'ai envie de dire, le pire reste à venir. Allez, un niveau terminé et on a les 3 pièces étoiles. Allez, niveau suivant. Ah oui, franchement, c'est ultra rapide. Hein. Une musique de Mario Land, ça. Attends, il doit y avoir un bloc caché quelque part. J'allais dire un bloc caché quelque part. Hein. Un niveau caché, pas de fail. Ouais, bah. On est dans le monde 1, hein. On a encore de quoi faire. Hein. Y a quelque chose d'intéressant dans ces blocs. J'avoue que si on pouvait réussir à trouver des pièces étoiles, ça serait cool. C'est quoi le pire? Bah, les niveaux plus difficiles. Ok. J'suis en train de me dire, il n'y en a pas un truc genre là-haut. Eh, attends. Ah, ça ressemble, mais pourtant, ça avait une forme. Ah, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Wow. Tout à fait, cher canard. Ah, c'est la deuxième pièce. Bon, on a loupé la première. Tant pis. Une fois, si on les a pas toutes, c'est pas un problème. L'objectif restant de finir le jeu. C'est... Oui, c'est possible qu'il y ait... que ce soit ça, la référence au vase de Mario 2. Après, comme j'ai dit, il y a des références à peu près tous les jeux Mario de Bros 1 à Galaxy. Donc, je pense pas qu'on soit à un hommage près. En sachant qu'il y a aussi des créations originales, des remixes du jeu de base, je l'ai dit, c'est pas les références à la licence Mario dans son état global qui manque ici. Ok, suite du niveau. Ça aussi, vous devez connaître, théoriquement, c'est dans Mario Bros 1, je crois. Ah, le pire jeu pour les lives. Bah, en fait, le pire jeu pour les lives, ce sera le plus long, le Mark of the Ninja, qui prendra 10 heures. Oh, saloperie. Espèce de vilain petit chip-chip. Oh, pff. Ok, bah, paye ta... Oh, bah, dis donc. Oh, va falloir faire gaffe. Ah, c'est je sais plus quel niveau... Dans... Bah, et je venais de gagner une vie. Je venais de gagner une vie. Tant que Chopin et la médiation en hommage à Dr. Mario. C'est très classe, ça. J'aimerais quand même bien un champignon. Ça serait cool. Yes. Oh mais punaise. Poisson de mes deux. Pire si je fonce jusqu'à la fin du level. On a... Hop. Fail numéro 2. Allez. D'ailleurs on peut aussi parler sur le nombre de game over si ça vous éclate. Hein, allez-y. Hein. Oh là. Non, tu m'auras pas cher monsieur. Allez, vitesse P, on y va. Ok. Ah bah je crois qu'on est bon. Bon, 2 pièces sur 3. Et une vie supplémentaire. Cool. Ouh. Allez. Premier château. Oui, vous, bien sûr, vous pouvez faire des, vous pouvez faire des clips, évidemment, hein, c'est fait pour. Hein. J'avoue que les chip-chips volants, c'est un peu des trolls. Speedrun YouTube de... Lol. Et yo Alpha. Ah, merde, il y a des squelettes Rex. Oh, attends. J'aimerais quand même bien un petit champi. Vas-y, vas-y, le ton, ta priorité. Ok, checkpoint ici. Au moins, on a un checkpoint, c'est déjà ça. Vérifie qu'il n'y a rien. Non, la flamme, vas-y, tu peux passer. J'allais dire, je sentais un truc comme ça. Oula, comment tu veux la voir, cette pièce? Je l'ai chopé? Je l'ai... pas chopé, j'ai l'impression. Attends, quand est-ce que je...
J'allais dire quand est-ce que j'avais chopé la pièce numéro 2. Oh, attends, la 3 est là en bas. Et yo, Awan! Ok. Ouh, alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Oh, attends, est-ce que c'est. Au vu de la musique, c'est un combat contre Birdo. On va se voir, on va se voir une bombe de chon, de tromp et de chip chip pané. Attends, tiens. Voilà. Salut Bowser! Je crois qu'on l'a battu. Oh, qu'est-ce qui se passe? Bonjour. Merci, héros, mais notre princesse est dans un autre château. Oh là là! Ceci n'est pas du tout une référence au premier Mario Bros. Pour l'empêcher de se... Alors, Bowser est parti se laver. Allez, niveau 3, c'est parti. Oh, un niveau sous-marin. Pourquoi c'est Toad et pas Mario? Parce que Toad est un personnage jouable dans ce jeu. Et que le chat a choisi Toad. Oh punaise, un niveau aquatique. Ah, avec les trucs qui poussent, ça c'est dans... Bah c'est dans Mario Bros 3 ça, non? Oh punaise. Ouais, ouais, ouais. Pas mal. Oh, ça... Ah oui, j'ai oublié de préciser que certains niveaux ramaient un petit peu. Mais c'est un truc, il va falloir s'armer de patience. Ah, merde. À faire ça en étant petit, ça va être marrant. Ok, on a aucun item. Fail numéro 3, lol. On va essayer de choper la masse de pièces pour avoir des vies. Bon, vite. Ah mais dude, j'étais au-dessus, j'avais priorité. D'ailleurs pourquoi il y a un chip chip volant sur la map? Ah oui non mais les niveaux aquatiques moi aussi ça me gonfle. Hein. Ouais, comme dans le Mario Bros 3 de base, il y en a 8. Hop. Non. Ouais, passe comme ça mon cher Toad. Faut descendre. Oula. Bon. Je peux avoir un checkpoint s'il vous plaît. Même un champi, hein. Ok, c'était la première pièce. Super. Ah, toi t'aimes bien les niveaux d'eau, bah comme quoi. Hein. Ah, le menu avec les objets, il était présent de base dans Mario Bros 3. Mais il est peut-être adapté d'un des New Super Mario Bros. Est-ce que je peux avoir un champi, s'il vous plaît? Merci! Ah, attends. Merde. Oh, super. Ça aussi, ça ressemble à un niveau de Mario Bros 1, non? Je saurais pas vous dire lequel, mais et j'arrive à tomber sur le combat, tout va très bien. Oui, c'est... je sais plus dans quel monde, mais je me souviens de ce niveau dans Bros 1. Voilà. Oula, on va peut-être éviter de jouer les kékés, là. Bam, ouais, les niveaux galaxies. Le monde galaxie, je crois que c'est le monde 7. Quelque chose comme ça. Et. Niveau terminé. Yes! Bah, je veux dire, c'est le tuyau pour sortir de l'eau. Y a quand même un semblant de logique, je trouve. Allez, niveau 4. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Est-ce que je peux avoir une fleur? Merci beaucoup. Non, pas de level en 3D, c'est tout en 2D. Là, le jeu de base reste quand même Mario Bros 3. Mais c'est juste qu'eux, ils ont réussi à caser des références à des jeux en 3D dedans. Genre, t'as des niveaux, t'as de la physique à la galaxie. T'as un niveau qui ressemble à un village de Sunshine, par exemple.
comment tu veux que je passe ici? Ah, t'es avec une carapace, je suis en train de le dire. Je peux avoir... Attends. Ouais, on peut revenir en arrière, ok. T'as les frères marteaux... Ah, c'est frères boum... Non, c'est les frères marteaux. Les frères marteaux, vous descendez quand vous voulez, hein. Ok, bien. Quoi là-dedans? La physique galaxie, bah en fait, bah tu te souviens de... Bah, en galaxie, tu vois des fois comme il y a les planètes qui tournent, ce genre de choses. Bah, dans certains moments du monde 7, t'as ça. Ah bon, alors je pense que la première pièce, j'ai... Oh, ce, vous le voyez, ce lag, il est beau, ce lag! Parce que malheureusement, un des problèmes techniques de ce jeu, c'est qu'il est bien... Mais il ramouille du cul! Mais ouais, je pense que la physique en question, il avait repris dans certains niveaux d'Odyssée de toute façon. Je suis sûr qu'on peut activer ce bloc. Oh merde, caca pourri! Bon, tant pis. Pessimiste, t'as vu ce que ça donne? Fichtre va. Mais il n'aura pas mis longtemps à arriver celui-là. Bon. Arrête de compter les fails, on en a trop. Ouais, pas une mauvaise idée. Bon, bah je vais me faire voir, ok, message reçu. Je vais me faire voir. Il y a une fleur là quelque part. Voilà. Maintenant on va la prendre cette. Maintenant ça va chez les bubus. Ah, ça serait bien que ce soit le seul, mais je vais pas trop me faire d'illusions. Ah, c'était juste une étoile. Tant pis. Porte pas trop sur le café pour... Le café, il pour tenir, lol. Ok, checkpoint. Alors, qu'est-ce qu'on a... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, ça me rappelle un niveau, je crois que c'est dans le monde 3 de Mario Bros 1. Oh, punaise. Oh, attends, il y a encore des trucs là-haut. Couchez, toi. Mais... Oh, il y a carrément une zone au-dessus. Ah oui, mais non, mais si je dois redescendre à chaque fois que je touche un bloc, il y a un problème, là, les gars. Bon, au moins on a tous les blocs pour monter, c'est déjà ça. Sinon, je sens une petite étoile là-haut, ouais. Ah, c'était la dernière. Bon, bon, moi j'ai pas à me faire chier à chercher les autres, on sait qu'on est où. Bon, on va esquiver tout ça, ça rame du cul! Attends, ça mène au drapeau, non? Ouais, ça a l'air de mener au drapeau. Bon, tant pis. Qui a invité les lags dans ce stream? Bah malheureusement, les lags, en fait, c'est un problème inhérent au jeu. C'est qu'il y a... le problème, c'est que c'est pas très optimisé, parce que bah, c'est sur la NES, il y a beaucoup de choses à charger, et du coup, bah la console, elle a un peu de mal. 3 chip-chip. Fuck. 2 chip-chip. Chip chip. Voilà. J'ai gagné quoi? Une fleur. Cool. Allez, direction la maison hantée.
3 chip chip mais un seul Toad. La musique me fait penser à Link's Awakening. Pas vous? Oh, Désiré de Mario World. Alors. On peut avoir une fleur ou une sorte de protection, s'il vous plaît. Je vais aller en haut. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ok, maintenant la maison est en noir et blanc, j'ai l'impression. C'est... Oh! Je peux passer avec l'interrupteur, fais vite. Ok, une pièce étoile. Alors, on prend. Attends, il y a combien de portes? 4 portes. Vas-y, je prends la deuxième. Ça me remet au début, c'est ça? Ça me remet au début. Caca. Ah, merde! Ah oui, c'est je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est pas le truc. Ça met pas en confiance, quoi. De la corde. Mais... Ça va être long, long et long, c'est moi qui vous le dis. Sinon avec une maison hantée, l'architecte se prend pas la tête sur la forme, tu m'étonnes. Non, reviens ici toi. Donc on sait que c'est pas... Attends, 80, attends. Je récupère des pièges, je peux... Ouais, dégage les fantômes, je peux pas faire de... Je peux pas vous faire de saut dessus. Ah oui, d'accord, ça c'est pour un retour, ok. Donc on revient, on active l'interrupteur P. Je sais pas trop combien il y a de pièces, mais je vais essayer de toutes les prendre. Ok, on a quasiment 60. Donc on sait que la deuxième ne mène pas au bon endroit. C'est sur la troisième. Donc ok, c'est probablement la dernière porte. Allez, passez les gars. Vous avez priorité, tout ça. Attends. Ah bah du coup je gagne une fleur, c'est cool ça. Il y avait un des fans, il s'appelle Tom. Phantom. Tu sais que cette vanne là, ils l'ont utilisée dans dans Margot Lapin Crétin. C'est genre dans le monde 3, tu te fais un peu mener en bateau par un mec qui s'appelle comme ça pour trouver des reliques. Ah, il faut recommencer avec l'interrupteur P. Et eh ben allons-y, moi je recommence avec l'interrupteur. Eh, s'il y a toujours les pièces, moi je les prends. Hein. Attends. Bon, on va essayer cette porte-là. Ok. Allez, les gens, gauche ou droite? Merde. Bon. Bon, du coup, je vais devoir recommencer ça, mais je sais que c'est au bout. Avec l'interrupteur P, tu mets les gaz, c'est ça. Bon, du coup, c'est bien, ça me permet de farmer des pièces pour gagner des vies. J'aime bien ça. Allez, allez, on va aller à droite. Les pièces. Attends, non. Faut activer l'interrupteur P. Apparemment, ça mène là. Attends. Est-ce qu'il y avait autre chose? Et une deuxième porte. Prenons la deuxième porte. Ah bah, je crois qu'on est arrivé au bout. On n'a pas trouvé les deux autres pièces, mais on est arrivé au bout. C'est le principal. À votre santé. Pourquoi je peux pas aller là? Non, mais je veux sortir du niveau. Je reprends. Bon, je reprends tôt, puisque c'est ce qu'on avait dit. Bon, bah du coup, on va aller au château. Mais attends, pourquoi je... Ah, Attends. Il y a peut-être une sortie alternative quelque part. Peut-être un délire à la Mario World où il y a plusieurs sorties. Allez, nouveau château.
Activer l'interrupteur P après avoir déclenché le bloc. Bon, je... Je parie qu'on pouvait aller dans le tuyau. Enfin, que j'ai pas réservé tous les trois fails potentiels. Non. Il risque probablement d'y avoir encore des fails dans le reste du live, t'inquiète. Checkpoint. Je pensais qu'ils auraient mis une pièce là-dedans. Comme quoi, hein. Allez, je vais aller en haut. Wait the suck. Haha! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'il y a ici? Une pièce étoile. C'était la deuxième, ouais. Donc, à mon avis, le tuyau qu'il y avait tout à l'heure, c'était la première. Ça me paraît relativement logique. Et la dernière est là. Va falloir être rapide. Et ne pas faire de merde, accessoire. Le plus marrant, c'est quand j'arrive. Oui, bah après, je peux pas rager sur commande non plus. Allez. Bon. Moi, je vais retourner les récupérer, ces pièces. Bon, la dernière, elle a l'air un peu chiant. Je vais peut-être pas m'en occuper. Surtout m'occuper de finir le level. Alors, celle-là, elle est relativement tranquille. Tant qu'on reste en mouvement et qu'on saute, il n'y a pas de problème. Enfin, théoriquement. Allez. Doucement, mon cher Toad. C'est parce que t'as la vitesse P qu'il faut faire n'importe quoi, hein. Il me fait quand même marrer, Minito. J'ai l'impression qu'il fait 3 pixels de haut, tu sais. Il est plus blasé que rageux. Oui, c'est ça. Ah bah c'est bon, je l'ai eu. Cool. Ah, et puis en plus, on a les tombes latéraux. Est-ce que je peux avoir droit à un power-up? Merci. D'ailleurs, comme les power-up vont systématiquement dans la direction où je vais pas. C'est Bowser. Ouais, c'est ça, je te rebondis. Ah! Merde! Oh, c'était beau! Oh, c'était tellement beau! Ah, ça aussi, c'était beau. Allez. Voilà. Débarrasse-nous le plancher, mon cher Bowser! En plus, on pourrait revenir en arrière pour faire, mais non. Bonjour. Elle est toujours pas là? Merci, mais la princesse est dans un autre chien. Ouais, bah je me barre, salut, hein. J'ai toujours... Je l'ai toujours. Allez, on va prendre la fleur. Qu'on a gagné une étoile. Du coup, ces niveaux-là, on est d'accord qu'on n'y a pas accès. Bon, bah, niveau 7, hein. Ah bon, on arrive au bout. Donc, du coup, niveau 5 et 6 dépendent de la sortie secrète. On va quand même voir si on peut essayer de la trouver à l'occasion. Parce que j'aimerais quand même bien pouvoir la tester. La Sanity, t'en auras plus dans une semaine. Bon, elle est déjà partie, ma Sanity. Hein. T'inquiète pas pour ça. Encore un niveau en noir et blanc. Ah d'accord. Seulement ça pouvait mettre les objets en réserve. On peut les utiliser genre dans l'overworld, comme ça. Ça serait un ajout cool ça. Ah oui bah ça par contre, on aurait pu s'en passer bien sûr. Bon, moi je sais que c'est sur le... Sur la troisième plateforme, tu peux faire ça et pas la deuxième. Bon, est-ce que je pourrais terminer ce monde 1 sans faire un autre game over, s'il vous plaît?
moins on est nouveau. En 1, 2, 3. Voilà. Là, c'est beaucoup mieux. Oh punaise, la plateforme! Madame la plateforme, c'est pas gentil ça. Pas gentil ce qu'elle m'a fait la plateforme là. Oh punaise! Bon. Histoire qu'on n'oublie pas de sauvegarder. Je le répète assez, hein. Alors, peut-être quand même que je la passe. T'es un vilain, monsieur le champignon. T'es un vilain. Ah, va être long, hein. Mac, il vous le dit. Ah, j'ai même pas fait gaffe, mais on gardait notre nombre de pièces. Ça, c'est cool. Voilà. J'ai ce qu'il faut. Ok. On a voulu sauter les étapes là, c'est pas bien. Ah merde. Bon, ça va être plus long que prévu. Un tout petit peu. J'espère que vous avez rien de prévu ce soir, hein. Hop. Ok. Concentration. 16 game over, allez les paris sont lancés. T'as prévu de voir beaucoup de fails là, bah, si t'as prévu de voir beaucoup de fails, t'es au bon endroit alors. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh! Par contre, pourquoi je peux pas accéder à la. Oh, et puis fuck, hein. Y'a quoi là-dedans? Un interrupteur P. Ah, bah ça m'aurait aidé en fait. Bon bah tant pis. Oula. Ah mais ça servait à faire des plateformes pour avoir la dernière pièce, c'est cool ça. Attends, est-ce qu'il y a un power-up là-dedans? Ouais. Tu es au bon endroit comme alors que tu veux voir Michael, très belle référence. Le problème, c'est que si tu le prends comme on l'a laissé dans la saison 3, il est un peu en sale état, malheureusement. Et du coup, tu veux voir quel Michael? Le Michael de la saison 1 ou le Michael qui fait sa rédemption dans les saisons suivantes? Allez. C'est 22h, j'ai pas fini le jeu, je fais quoi? Bah, je continue. Tu sais, il y a Darky, il n'y a pas d'heure limite pour finir les lives. Hein. Les lives s'arrêtent quand les jeux sont finis. Je t'ai expliqué le concept en pré-live, en plus. Ok, ils nous ont mis un labyrinthe maintenant. Ouais, avec la saison, elle était vachement. Attends. D'accord. En tout cas, j'aime bien la musique, je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, mais le dilemme du tramway et le côté sadique et. Voilà, maintenant les gens vous les connaissez, alors maintenant qu'est-ce que vous faites? Ok, ah, attends, d'accord, je comprends. C'est le château du 8-4. C'est le château du 8-4 de Mario Bros 1. Si ma mémoire ne me fait pas défaut. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, la lave ça fait mal. C'est pareil que vous le saviez pas. Toi aussi, apprends des évidences avec Babou. Donc. Mais bon, ça va, hein, on va se calmer, hein. Là, c'est celui-là qu'on doit prendre.
tous les power-ups vont vraiment dans le sens inverse de Mario. Ouais, on est d'accord. Mais je voulais pas aller dans le tuyau, ta sœur, là. Je voulais esquiver le Koopa qui m'arrivait sur la gueule. Excuse de sac. Va dans un volcan, ne va pas dans la lave, et si tu sais, je peux te pomper. Oh, y a des jeunes qui regardent, bordel. Allez. Y'a par là, madame la plateforme. Ok, c'est le suivant, normalement. Ouais. Un bloc. Rarement partie aquatique, maintenant. Ah non, c'est la suivante, la partie aquatique, je crois. Là, je crois. Ouais, c'est bon, et le checkpoint est là. Bon, je crois qu'apparemment, ils avaient pas de barre de feu dans, dans Mario Bros 3, du coup, on les a pas. Ouais, là on arrive vers la fin. Voilà, il y a le frère marteau. Ok. Allez. Ah, t'as des marteaux maintenant. Bon, on bat les couilles, frère. Oh, salopard! Salopard! Espèce de gros balai. Et Rockstox. Damage boost, bitch. Boy, on a causé la France. Damage boost, bitch. Et du coup, bah le monde 1 est terminé. Oup, ça nous aura juste pris 3 quarts d'heure. Merci. La paix est enfin revenue dans notre royaume champignon. Monde 1 terminé. Whoop.